Et salut à tous, c'est Trunkhan et on se retrouve sur une île déserte complètement paumée dans la peau, plutôt pas mal d'ailleurs, de Lara Croft. Donc petite vidéo de présentation sur le nouveau Tomb Raider que je viens de commencer. Mais où sont-ils? Alors, alors déjà le jeu est quand même pas mal optimisé. Là je joue, j'ai lancé le jeu, j'ai frappé, j'ai vu que c'était bien. Donc voilà, c'est en normal, il n'y a aucun lag. Square Enix ils font quand même du bon taf à ce niveau là souvent. Au niveau doublage, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est pas trop mal, la nouvelle doubleuse se débrouille relativement bien. Doucement. Ouais, pas de bêtises Lara, pas de... hop hop hop. Allez, essayer de pas te casser la gueule, ça m'arrangerait. Ouais. Alors j'ai testé le tout début du jeu au clavier, là je teste à la manette pour voir si c'est pas mal. Ça a l'air d'être un peu comme du Uncharted. Cela dit, il y a un petit côté un peu plus survie énigme vite fait. Alors attends, c'est... Voilà, c'est ça pour sauter. Donc pour l'instant ça a l'air assez sympa, déjà c'est joli, c'est quand même pas mal. Alors je pense pas qu'on verra du gunfight tout de suite par contre, hein, parce que c'est vraiment le début du jeu. Alors par contre, j'ai quand même testé quelque chose. Parce que voilà, là je reprends le clavier, ça va être peut-être un peu mieux. Parce que du coup je joue à la manette mais les indications restent celles du clavier. Donc hop. D'accord, hop 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 hop. Dépêche-toi. Pas de bêtises. Eh ben, elle a vraiment du bol, hein. On peut tourner la caméra avec la souris, hein. Ouais, je pense que du coup le gameplay clavier souris sur PC est quand même plus sympa. L'île a l'air sympa quand même, hein. Pas du tout hostile. Oh, alors quand on appuie sur c'est quoi, c'est mage, un petit truc bizarre, on escalade. D'accord, il faut appuyer plusieurs fois sur espace, sur le saut donc. Le sac de Sam. Ah, le sac de Sam. Tant que c'est pas suite Dora. Monsieur Frodon! Ils ont dû passer par là. Super, ça va vachement m'aider. Les allumettes. Et Toki Woloki! Ross! Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je les retrouve. Et on a un petit truc qui ressemble un peu à ce qu'il y avait dans Hitman. C'est l'instinct de survie, je crois, qui ressemble un peu au... Je crois que c'est l'instinct aussi dans... Merde. Ah non, bah c'était fait exprès. J'ai cru que je m'étais gouré. Qui ressemble un peu à l'instinct dans... J'allais dire Assassin's Creed, non, dans Hitman. Abritez-vous de la tempête. On vient de s'échouer, elle a été capturée par des mecs bizarres, elle vient seulement de s'échapper. Oh mon dieu, mais je suis toute mouillée, mais que se passe-t-il? Ah, de l'eau de pluie. Ah, c'est des pluies acides, ah, mon dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez. Ah, j'avais l'impression que c'était un bug, mais en fait, elle frissonne vraiment, quoi. En même temps, c'est vrai qu'elle est... elle est mouillée. Elle est trempée. Enfin, bref. Elle a pris la pluie. Il reste plus qu'une allumette, te foire pas Lara, te foire pas. Ah nice. Et là il y a la grosse goutte bien bien salope qui tombe sur l'allumette et pfff. Alors dans Batman ils disent il faut se frictionner la poitrine Lara pour relancer la circulation du sang et après tes bras se réchauffent d'eux-mêmes. C'est pas un truc de pervers, c'est Qui-Gon-Jin qui le dit. Enfin, Razak Ghoul. Enfin, bref. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko. La mythique reine solaire, une de mes ancêtres, semble-t-il. Non, semble c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Ah, je dirais que la doubleuse de Lara, des fois, c'est un peu inégale. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de... Ouais, c'est comme d'hab, les doublages français sont toujours... D'accord, d'accord. Un peu spéciaux, quoi. Eh, Sam. Merci. C'est toujours un petit peu spécial. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Ah non, ah bon. Allez, rattrape-le. Non, mais c'est ta... Ah, Barracuda. Comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire, et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on allait vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, peut-être ils se trompent. N'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Bâtiment. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. Petite baisse de framerate. Lara, ma petite Kai. Tu sais bien que je serais prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Donc tu serais pas un Maori, toi? Des Bermudes pour Disneyland. Un peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Du dragon. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Oh, ça doit être son père. J'aime Pierre Croft. Minecraft. Ah oui, c'est bon, il pèle, hein. Je peux pas rester là à rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Donc là, ça va être la petite période de Snake Eater. Si le jeu est vraiment axé survie, ça va être vraiment sympa, quoi. Oh mon dieu, le pauvre homme. Ouais, ça tombe bien, il a un arc. Cet arc me sera-t-il ? Hop là. Alors. Hop, les flèches. Montons sur la maison. Ah, c'est plus une maison, c'est un bunker, quoi. Un bunker de chasse. C'est la classe. Hop. Je peux y arriver. Ouais, grippe-le, on s'en fout. De toute façon, il est mort, hein. Allez, viens là, hooligan. T'inquiète pas, il est mort, il est mort, il est mort. Il se relèvera pas, en principe. Ah, cet arc, ouais, improvisé, exactement. C'est-à-dire que c'est un bout de bois avec une corde, quoi. Pas... La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Ce doubleur, ça fait longtemps que j'avais pas entendu. Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. J'entends un truc gratter. Oh. Bonjour. Ça a recommencé. Le soldat... Ouais, s'en fout, le soldat Ryan, tout ça. Ça me tape. Et donc il y a des flèches disséminées un peu partout. Remonte, remonte, remonte. Wow. C'était quoi ce saut là? Alors. Faut que je trouve une serre. Pas une serre-feuille, pas une serre à faim. Pas une serre-tête. Est-ce qu'on peut y aller à la Connor? C'est-à-dire se mettre sur un arbre et péter sa mouille. Ah mais il est là le CR, dis donc. Ah fuck. C'est assez simple. Bouton droit pour viser, bouton gauche pour tirer. Il y a une corde. Ah. Oh, dans la jambe. Yamatai. Ah, tu vises mal quand même. Hein. Ah oui, parce qu'elle a pas de couteau en plus, hein, c'est pas pratique. Mange pas ça cru, c'est dégueulasse. Bon, retour au camp. Écoute Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la terre et des étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Oh, des flèches. Toujours retrouver ton chemin. Terre et des étoiles. Bam, headshot. Omnom nom nom nom, le bon cerf vivant. Est-ce qu'il y a une touche de sprint? J'ai pas l'impression pour l'instant. Donc retour au camp. Retourne au camp avec la viande. Ah non, le camp il est en haut. Il est en haut. Et pour l'instant ça a l'air sympa et relativement intuitif en fait. Hein. Ah. À camper. Oh, ça ressemble un peu à The Witcher pour le coup. Expérience survie. En fouillant les cadavres d'animaux et les cages de nourriture. Collecte de matériaux, Recyclage. D'accord. Instinct animal. Ok. Ok. D'accord, donc on a un arbre de talent survivant qui va... D'accord. Et un chasseur. Il va permettre, j'imagine, de tirer plus vite, avoir plus de... Voilà, de munitions, etc. etc. D'accord. Point de compétence, tir... D'accord. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Ah non, donc c'est le capitaine Ross. Dans le triangle du dragon. Ross. Triangle du dragon. Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? T'entends? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Nahodon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Let's go. Trouve un moyen de sortir de la forêt. De la musique. Quelqu'un? D'accord. Ah oui, c'est important. Je vais passer par là. Génial. Bah... Alors un truc assez malin je trouve, c'est qu'elle tient sa torche au-dessus de ses yeux. En général dans les jeux, les mecs ils tiennent genre la torche tout droit à côté de la tête et le fait de la tenir comme ça, bah, au final ça bouche moins le point de vue, ça brûle pas forcément les yeux et on voit bien parce que ça éclaire en hauteur. Enfin bon, moi je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'aime pas trop voir les trucs barrés comme ça. Oh, ça sent tellement la paille à la con. Oh non, c'est de la folie. Ouais, ça sent grave le piège. No one's leave. Oh là là. No one leaves, pardon. Personne de... Ce masque de l'eau traditionnelle. Oh, classe. Une méchante femme à l'apparence de démon. Ça c'est vachement classe. Alors franchement en plus si c'est basé sur de la mythologie asiatique et tout, ça va vraiment me plaire moi. J'ai l'impression que ce symbole là que vous voyez en blanc et en noir et blanc là, il est très représenté dans les trucs japonais, ouais, enfin les trucs asiatiques. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. D'accord. Nouvel équipement requis pour ouvrir. Genre un pied de biche ou... Hop, on va foutre le feu. Je trouve ça assez bien pensé. Les interactions avec la torche, ça rend le truc vachement plus utile. Ah bah, j'espère que l'hygiène passera jamais ici. Oh, un tomahawk. Rudimentaire. En os, j'ai l'impression. Ah ouais, quand même. Un piolet, c'est un piolet de fortune. Ah, et venez de là la musique alors. Seal. Les QTE. Bon par contre le jeu est beaucoup basé sur les QTE, hein, ça c'est clair. Et là, je trouve assez sympa. Pour l'instant il y a beaucoup d'exploration déjà. Même si c'est le début. Ok, alors hop là. Le début commence vraiment très fort. On n'a pas du tout le temps de souffler. Et là on est déjà en exploration, en survie. C'est franchement assez sympa. Cherche la fumée. On est en route. Ah, t'es grillé quand même. Tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Oh, Mathias. Je suis enseignant. Ouais. En deux mots. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble... Ah, donc c'est basé sur la culture japonaise, c'est cool. Iniko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. Non, tamanique. C'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qui touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers et au-delà. Mais que lui-il arrivé ? Elle a glissé. Mathias ? Sam ? Sam ? Merde. Ah ! Ouh, date piège à loup ! Évidemment, ça c'est pas fait pour tuer, c'est fait pour mutiler la proie, pour l'empêcher d'avancer. Ça vient par là, j'imagine, il y a les oiseaux. Non mais oh! Oh, that stress! Hop, dans la bouche! Non mais oh! Ah, vous auriez pu tuer les loups avant aussi, hein. T'as de con. Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hey, oh, 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 hey, Ross. Bon, toi, j'espère que tu vas mourir. Binocle. On va rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher ça. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Ça fait longtemps, mais ça va me revenir. Trouvez Ross, on se charge de Sam et de ce Mathias. J'ai l'impression qu'il y avait une faute de français dans le je vais y aller. Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien, ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Mmh. Non, mais moi j'ai pas confiance, j'ai pas trop confiance dans ce mec là. Moi. Enfin bon. Bon, bah moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite présentation vous a plu, vous a donné peut-être envie de jouer à ce jeu. Qui a l'air sympa, hein, mine de rien, ça a l'air d'être un bon petit jeu d'aventure, même s'il y a pas mal de QTE que ça peut déplaire à certains, je trouve que le côté survie a l'air sympathique. Voilà, de ce que j'en ai vu pour l'instant en tout cas. Donc moi je vais vous dire à plus tard pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, salut à tous, bye.